Les lycées professionnels sont-ils les parents pauvres de l'éducation? Après le mouvement de grève au lycée Tony Garnier de Bron le mois dernier, ce sont cette fois les profs du lycée de l'automobile François Sever à Écully qui ont refusé de reprendre les cours cet après-midi. Ils dénoncent notamment le mauvais état du réseau informatique qui ne leur permet pas d'assurer leurs cours dans de bonnes conditions. 40 des 60 enseignants se sont mis en grève. Deux d'entre eux sont au micro de Bertrand Frachon. Des élèves difficiles et des conditions matérielles qui ne sont pas adaptées à la population qu'on a. Donc aujourd'hui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'on travaille depuis la rentrée de septembre, voire depuis la fin de l'année dernière, avec un réseau informatique qui ne fonctionne peu ou pas. Et on a aussi ici des enseignants qui travaillent essentiellement avec l'informatique et qui ne peuvent pas travailler depuis le début septembre. Il y a d'autres problèmes. Exemple, l'autre jour, on devait avoir un exercice contre l'incendie. Cet exercice n'a pas pu avoir lieu parce que l'alarme était momentanément défaillante. Bon, on ne sait pas actuellement si elle est toujours défaillante ou pas.